Hey, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 8 de notre Let's Play sur Clash Royale. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça j'espère. Aujourd'hui, un pack opening de malade. Alors je dis ça tout le temps, mais en fait, à quasiment chaque pack opening, on a toujours un énorme coffre. Vous allez voir c'est quoi l'énorme coffre aujourd'hui, je pense que vous y attendez pas du tout. Donc, un pack opening de 3 coffres en argent, un coffre en or, un coffre gratuit, les petites récompenses, et 2 coffres couronne, et un coffre épique électrique, et oui. Alors ici on peut voir les stats, parce que ça nous dit un peu une phrase un peu, même beaucoup débile. Du coup on est obligé d'aller, voilà, comme ça nous donne les stats, mais non, pourquoi, j'en sais rien. Du coup, avec ce coffre, nous allons débloquer 9 épiques. Alors, ça ne va pas dire 9 cartes, 9 nouvelles cartes épiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura au moins, au total, 9 cartes épiques. Voilà, c'est... Par exemple, il y aura une carte épique où il y en aura 4 x 4. Et une autre où il y en aura x 5, si vous m'avez compris. Donc, voilà. Du coup, alors les cartes électriques, là, zéro coût, je crois que j'en ai pas, comme c'est marqué là. Obtenez plus de coûts dans les paliers. Mais je crois qu'on peut les avoir qu'en achetant le pass royal. Voilà. Donc, en fait, les sortes d'éclairs, là, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait, ça permet, par exemple, si vous n'êtes pas content d'une carte, en fait, vous pouvez l'échanger. Et si vous avez un peu de chance, vous pouvez tomber... Enfin, retomber plutôt sur une carte qui va la remplacer. Par exemple, si je tombe sur... je dis un exemple tout con, hein. Un géant squelette et que je peux faire cette carte, et ben j'utilise une petite carte électrique, voilà comme ça, donc la mini carte qui est à côté du zéro coup là, et ben paf, je peux tomber sur un prince si j'ai un peu de chance, voilà, avec le même nombre de cartes que le géant squelette, enfin voilà. Voilà, il voilà, pour l'instant on n'est pas encore là. En fait, je sais pas, je dis qu'on n'est pas encore là, mais peut-être qu'on va en obtenir pendant le coffre, je sais pas. Ça sera la toute première fois de ma vie que je vais ouvrir un coffre épique électrique. Donc je vais voir ce que c'est, ce sera la toute première fois, donc peut-être que je dis des conneries, là peut-être que je vais avoir des points, je sais pas. Enfin bref, ce sera une toute nouvelle nouveauté pour moi, je pense que, ouais, je sais pas si vous en avez déjà ouvert, mais pour moi ce sera la toute première fois de ma vie. Et ensuite, un petit coffre en argent bonus, voilà, un petit coffre en argent bonus, c'est cool, des fois ils nous offrent des petits coffres comme ça. Et, tac, des petits lags, et bien évidemment, les petites récompenses. Avec bien sûr le tout premier nouveau émoticône, autre que les émoticônes classiques du roi. Du coup, voilà, voilà. Du coup, bien évidemment, avant de commencer le pack opening, je vais vous dire les cartes que je veux. Alors, les cartes que je veux, celle-là, je sais pas c'est quoi. Ah ouais, bah du coup, je vais en mettre par arène. Voilà, par l'arène. Du coup, les cartes que je veux, bon, les légendaires, pas besoin de parier, mais vous avez compris. Le seul légendaire que je veux pas, c'est la bûche. Ainsi, par un énorme miracle, j'ai une légendaire. Bon, à part ça, les cartes que je veux, c'est les recrues royales. Les cochons royaux. Non, en fait, je sais pas ce que je veux. Ah, je sais pas, c'est dur. C'est très dur. Ouais, c'est bon. Les cartes que je veux, c'est les recrues royaux, les cochons royaux et le prince ténébreux. Voilà les cartes que je veux. Donc les cartes que je veux, les recrues royales, cochons royaux et prince ténébreux. Et après, les gardes en optionnel. Voilà toutes les cartes que je veux. Enfin, que je veux. Voilà. Bon, je vais pas les obtenir tous, bien évidemment. Enfin, bien sûr. Je sais pas, en fait. Avec le coffre épique, peut-être. Je sais pas, en fait. Peut-être que je me fais décider. Vous allez me dire, le prince classique, j'ai débloqué, je sais pas combien d'épisodes plus tard, quoi. Enfin bref, donc, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance. On commence le pack opening, dès maintenant. Premier coffre. Alors, premier coffre. 93 pièces. 10 mortiers. 2 cabanes de barbares. 87 pièces. 10 canons. 2 mousquetaires. Alors, 90 pièces, 10 bombardiers et 2 pierres tombales. Du coup, on va ouvrir le coffre en argent bonus. Voilà. Alors, 85 pièces, 10 chauves-souris, 2 valkyries. D'ailleurs, j'ai remarqué pendant les packs opening, je sais pas si c'est un hasard ou quoi,
Mais en fait, les cartes qu'on a le plus, c'est les cartes que j'utilise jamais. Par exemple, vous vous rappelez, dans le coffre géant, j'ai eu je sais pas combien de squelettes, quoi, la carte la plus inutile du jeu. Enfin bref, du coup voilà, donc les cartes que j'utilise le plus, même les communes, hein. Alors est-ce que j'utilise, non j'utilise même les communes. Ah bah si, l'électrocution. Bah non, l'électrocution je l'utilise très rarement, alors que c'est qu'une commune. Et par contre j'ai beaucoup de d'archers, ou de squelettes, ou sinon, bordier. Enfin bref, que des cartes que j'utilise pas. Je pense que ça arrive à tout le monde, mais c'est juste pour vous dire. Voilà. Maintenant le coffre gratuit, ah oui j'y pense pas souvent, mais c'est mieux d'ouvrir le coffre gratuit avant le coffre en or. Voilà. 70 pièces. On débloque les coffres royaux, ça c'est cool. Et 8 flèches. On débloque masse pièces. Ça c'est cool. Le coffre géant, du coup, je sais pas dans quel épisode je l'aurai. Du coup, je sais pas, mais on s'en rapproche. Du coup, le petit coffre en or. 349 pièces. On est déjà à 11 000 de pièces d'or. 4 canons. 4 en mortier. 9 hordes de gargouille. Et 6 tours de l'enfer. Tac. On est parti pour les coffres à couronne. Jusqu'à avoir le coffre épique électrique. Je l'appelle comme ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Dites-le moi. Hein. S'il y a un vrai nom, dites-le moi dans les commentaires. 723 pièces. 2 gemmes. Eh, on est bientôt 250 gemmes. On débloque les recrues royales. 3 mortiers. 35 gobelins. Et 7 tours de l'enfer. Tac. Alors, 696 pièces. 4 gemmes et on a dépassé les 250 gemmes. C'est un peu sauté. On débloque la triple mousquetaire. Je vais pas l'utiliser, je vais pas la mettre dans mon deck, ça coûte beaucoup trop cher parce que c'est une boule de feu et paf c'est fini, donc laissez tomber. 13 fuyeux squelettes, parce que je vous en parlais, le fuyeux squelette je l'ai même pas mis dans mon deck. 25 gobelins et 7 mini PK. Et attention, vous êtes prêts? Je vous donne la chance. 3, 2, 1. On a 3 cartes épiques. Il faut tomber sur le prince ténébreux. Le prince ténébreux, c'est l'objectif. Du coup, une armée de squelettes. J'utilise plus, c'est pas grave. On débloque le fuyard barbare. Je vais pas l'utiliser, mais c'est cool. Et attention, la dernière, allez, le prince ténébreux, après si c'est pas lui, c'est pas grave. 7 fuyeux gobelins. Ça c'est vraiment cool parce que j'utilise encore le fuyeux gobelin. Ah ça c'est pas mal. Ah ça c'est cool. C'est vraiment cool ça par contre. Hein. Oh je suis content là. Beaucoup de fuyeux gobelins, ça c'est cool. Et du coup on a fait tous les rangs. Voilà, c'est cool. Ah bah le mec qui se souvient même plus des cartes qu'il utilise que. Mais si j'utilise toujours mes squelettes, sérieux. Bon du coup on va l'améliorer. Bon, j'améliore une carte en live, voilà. Du coup, bah voilà mon deck. Je crois pas que. Je crois que j'avais montré. Je sais plus si je l'ai changé en caméra. Bref, de mon deck. Du coup, d'ailleurs, je vais vous en parler après de l'arène. Alors, bon, prochain palier, 0 seconde d'ailleurs. Ok, d'accord, c'est un peu bizarre. Du coup, maintenant, les petites récompenses. Alors, géant royal ou recrue spéciale. Alors, je me suis un peu renseigné. Le géant royal, il peut être utile. Mais les recrues royaux là, mais pas royal, je sais pas en fait. En fait, je pense pas que le géant royal je le mettrai dans mon deck, donc je pense que je vais mettre les 50 dans les recrues royales. Bah ça se dit royal et pas royaux, d'accord. Parce que pour moi, je vais les mettre dans mon deck, peut-être, parce qu'ils sont vraiment utiles. Franchement, ils prennent toute une ligne, c'est trop bien. Du coup, ah le pauvre coffre en or que j'oublie tout le temps, le coffre en or oublié. 362 pièces, 5 hordes de gargouilles. 5 chevaliers. 7 chauves-souris. Et 6 sorciers. Alors là, triple mousquetaire. Ou les cochons royaux. Les cochons royaux, bien évidemment. Et on débloque les moticônes. Voilà, l'émoticône chevalier qui fait ouais! Comme ça, quand j'aurai gagné, je pourrais le mettre. Et du coup, là. Gardien ou prince ténébreux? Le choix de ce. Bah, il se discute même pas. Le prince ténébreux! Et voilà, on débloque le prince ténébreux! Et du coup, voilà, valivalou.
Du coup, voilà. Voilà, mon petit émoticône, il est sympa. Du coup, j'aurai un émoticône coloré ici. Ah ben non, mais... Bon, bref. Blablabla. Donc voilà tous mes petits émoticônes. Bon, j'en ai qu'un pour l'instant de nouveau. Bon. Du coup, les cartes qu'on a débloquées, les nouvelles, c'est... On a débloqué 1, 2, 3, 4... 4 nouvelles cartes. Non, 5 nouvelles cartes qu'on a débloquées. C'est pas mal, c'est cool, c'est cool. Du coup, comme je vous l'ai dit, l'arène 7, pour moi, était trop facile, beaucoup trop facile. J'ai même peur du dernier combat, j'espère que ça va être aussi facile que tout. En fait, vous savez quoi? J'ai mis une demi-heure à faire cette arène. En fait, après que j'ai tourné l'épisode 7, je me suis dit, allez, je vais faire une petite bataille. Encore une. J'ai juste fait une ou deux défaites, hein. Genre comme ça, après l'épisode, j'ai fait quelques batailles, je me suis fait l'arène 7, comme ça. Genre, je faisais encore un combat, je passais à arène 8, hein, comme ça, tranquillement. Du coup, voilà, arène 7. Alors, je sais pas si c'est mon deck qui est trop puissant ou si c'est l'arène qui est trop faible. Je sais pas, mais... Voilà, pour vous dire que c'était extrêmement simple. Et du coup, je tourne cet épisode à la suite de l'épisode 7. Voilà. Du coup, en ce moment, donc là, je tourne le 29 février. Le samedi 29 février à 16h55. Donc, voilà. Du coup, voilà, donc je vais améliorer les cartes, je vais refaire mon deck et je vous retrouve après que j'ai fait mon deck. Enfin, j'ai refait mon deck. A tout de suite. Et donc, voilà mon nouveau deck. Alors, en fait, j'ai juste remplacé le prince par le prince ténébreux. J'espère que je n'ai pas fait un mauvais choix. Parce qu'en fait, j'ai vu que son attaque de charge, etc. était moins bonne que le prince. J'espère que j'ai fait un bon choix. J'ai vu un peu les stats. Le seul truc qui est mieux, c'est son bouclier. Mais franchement, si j'ai fait un mauvais choix, je serais vraiment dégoûté. Parce que j'aurais pu faire 100% victoire. Même si j'ai fait que deux défaites, mais voilà. Du coup, j'espère que c'est un bon choix. Bon, du coup, il coûte moins d'élixir. Voilà. On va pas s'en plaindre. Du coup, voilà mon nouveau deck. Bon, il n'y a pas de changement, comme je vous l'ai dit. Après, j'ai amélioré quelques cartes. Vous voyez que je suis bientôt au niveau 7. Du coup, Valivalou. Donc, du coup, bah, étonnamment, j'ai pas mis les cochons royaux. Voilà. Ni les recrues royales. Voilà, parce que franchement, mon deck... En fait, je sais pas ce qu'il a changé, en fait, mon deck. Juste le prince par le prince ténébreux, mais après, j'avais rien d'autre à changer. Donc, on est parti. Oh. La dernière bataille, si on gagne. Du coup, avant, je vais demander des cartes. Bon, il n'y a personne connecté. Je vais quand même demander des cartes. Allez, je vais demander... Busa. Allez, Busa. Du coup, on est parti. Voilà. Alors espérons qu'on spawn pas dans l'arène 8 déjà. J'aimerais bien vous faire découvrir l'arène 7. Voilà. Même si on a spawné à l'arène 7 la dernière fois. On fait un petit peu de chance. Il est sérieux le gars. Attends. Si je gagne, j'utilise. Bah je l'ai aussi. C'est trop bien. C'est très bien cet emoji. Du coup, je vais mettre un ballon. Alors là, j'ai fait le gros kikou en le mettant bien. Voilà. Putain, je fais le kikou. Ah là, je la sens mal cette game. Alors là, je vais mettre ça ici. Ça ici. Oh mon dieu. Ah, et non. En fait, ça fait masse dégâts sur la tour. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Oh non, il a la princesse de la nuit. Enfin, la princesse, la sœur de la nuit. Voilà le. Le prince ténébreux. En fait, je sais pas si j'ai fait un mauvais choix. Je sais pas s'il est plus faible ou pas que le prince normal plutôt. Alors, toi, tu vas pas me saouler. Je vais plutôt jouer au défensif. Je vais arrêter d'attaquer. Non, mais attends, dis-moi pas que pile dans le combat où je suis en cam, dis-moi pas que c'est pile dans le combat là que je vais perdre. J'ai gagné quasiment tous les combats et pile le combat là. En fait, j'ai peut-être fait un mauvais choix, je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, on peut pas revenir en arrière. Bon, heureusement, il a pas touché mon dragon de l'enfer. Alors, du coup, je vais mettre mon petit prince ténébreux. Let's go. Ouais, il est bien, le prince ténébreux, ça va. Il y a pire comme carte, il y a pire. Bon, du coup, je vais mettre la petite machine volante ici. Le petit zap qui fait plaisir. Alors, du coup, je vais mettre un ballon. Je m'en fous
J'ai tellement pas de race. Je mets un ballon. Oh là là, j'ai joué le suicidaire. Bah, je joue le suicidaire jusqu'au bout. Ah putain. Non, ça pas. Et fuck. Oh là là là, j'ai mal géré. Oh mon dieu, j'ai mal géré. Allez, le prince ténébreux. Ah, j'aurais dû choisir les gardes, ça aurait pu être bien comme défense. C'est pas grave. Tu me diras, les gardes, c'est très peu joué. Et ça, c'est faible. Ouais, bon. J'ai bien fait de choisir le prince ténébreux. Et on fait tomber une tour! Attendez, je m'emballe peut-être pour un rien là. On a peut-être gagné. Attendez. Prince contre prince ténébreux. Le combat tant attendu. Le combat final. Et on gagne cette bataille. Le petit émoticône du petit chevalier. Bien joué, good luck. Et du coup, on va passer à Reine 8. Du crème. Et voilà, on est passé à Reine 8. Sommet glacé. Du coup, on va mettre, voilà, en recharge ce petit coffre. Et du coup, voilà, donc je pense que je vais direct changer le prince ténébreux par le prince normal. Il est où, le prince? Il est le prince, voilà, il est là. Du coup, il n'y a pas d'offre spéciale pour le sommet. Non, ils ont rien. Du coup, on peut s'acheter un petit émoticône. Mais non, alors attendez. Je pourrais faire une folie, hein. Mais non. Non. Pour moi, j'ai économisé les gemmes jusqu'à je sais pas. Pour moi, mon but, alors je sais que c'est complètement fou, mais c'est d'économiser les gemmes jusqu'à avoir assez pour acheter ça. Je sais que c'est totalement impossible. Enfin, si, c'est pas impossible, c'est juste c'est ultra long. Mais c'est comme défi, donc en fait je commencerai à dépenser mes gemmes, je pense, en théorie, si un jour ils sortent un coffre, un coffre machin et tout, que je peux quand même acheter, genre un coffre où t'es sûr d'avoir une légendaire ou un truc comme ça, qui coûte moins que le coffre légendaire du roi et que je peux m'acheter, peut-être, je sais pas. Ça dépendra des mises à jour prochaines ou des trucs, etc. Mais pour l'instant je ne dépense pas mes gemmes, donc voilà. Donc Veli, voilà. Du coup, comme chaque épisode, je fais une petite pub pour mon clan. Voilà, les scorpions. Alors, ne pas confondre avec un autre clan qui s'appelle aussi les scorpions. Regardez, je vais vous le dire encore. Hein, bon, je pense que le problème est déjà réglé, mais je le dis quand même. Comme je le dis, je tourne les épisodes en avance. Donc, au moment où je tourne cet épisode, je suis sûr avec plein de gens de mon clan et tout. Mais du coup, à pas confondre avec ce clan de merde, il y a un mec qui m'a copié. Putain, le but c'est que le mec il a la flemme d'XP. Du coup, n'allez pas dans ce clan, c'est un clan d'un copieur. D'ailleurs, tout le monde le quitte, ça c'est cool. Et du coup, enfin, il est peut-être inactif en fait, parce qu'en fait, il a pas bougé de trophée depuis je sais pas combien de temps. Du coup, mon vrai clan, c'est ça mon vrai clan. Je devrais changer de blason, non? Parce que c'est les deux mêmes. Du coup, voilà le vrai clan, le scorpion. Le vrai scorpion, donc moi, il a 2300 de trophées. Alors ça va peut-être augmenter, mais il est dans les 2300. Et le code, bah, c'est celui-là, l'identifiant du clan. Donc, allez, Valou pour le clan. Du coup, je vais mettre le petit icône. Et avant de se quitter, je vais vous présenter les cartes qu'on a d'accessible dans ce deck. Et oui, là, je tourne une séquence après avoir dit allez, ciao et tout, quelques secondes après. Parce que je viens juste de penser que je n'ai pas présenté les cartes de cette arène. Voilà, j'en suis désolé, mais bref, ce n'est pas grave. Donc, les cartes qu'on a d'accessible maintenant dans ce deck, c'est la méga boule de neige qui est pour moi inutile. Voilà, inutile. Ensuite, l'esprit de glace qui est pour moi aussi inutile. L'extracteur d'élixir qui est une utilité énorme. Je pense réellement le mettre dans mon deck si je le débloque. Après, c'est une rare donc j'ai une forte probabilité de le débloquer. Le golem de glace, ça va quoi. Il est cool quoi, cette carte. Le gel qui est extrêmement utile. Le bouliste qui est extrêmement utile aussi. Et les légendaires, le bûcheron, bon là on ne juge pas des légendaires comme d'hab. Et du coup le sorcier d'as, extrêmement utile. Et le bûcheron qui est cool avec sa petite potion qui lâche s'il meurt, la potion de rage. Du coup voilà pour les cartes qu'on débloque, qu'on pourra débloquer dans le prochain épisode. Donc voilà, qui sont d'accessibles.
Et donc voilà, je vous laisse avec l'outro. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.